Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau vélo de chez Engwe, le Engine Pro. On avait déjà présenté le P2 Pro, qui était en gros un petit peu près la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de suspension à l'arrière. Cette fois-ci, c'est double amortisseur, amortisseur à l'avant, amortisseur à l'arrière, une nouvelle batterie, un petit peu plus performante, mais sinon on reprend le même principe, un vélo électrique pliable avec des pneus de fat bike, peu encombrant, bon c'est assez lourd, mais assistance électrique avec une autonomie assez grande sur ce vélo. Ce vélo on le reçoit dans un carton, je vous fais un petit déballage, je vous montre comment on l'assemble très rapidement et ensuite je vous le présente. Alors sur ce vélo, il y a quand même pas mal d'éléments de sécurité à monter. Par exemple, tout ça là, qui va venir tenir le guidon ici. Ne faites pas n'importe quoi parce que ça peut être assez dangereux. Si vous ne serrez pas bien, vous pourrez ne pas tourner ou le vélo aille tout droit lorsque vous avez besoin de tourner. Donc faites attention. Si ce n'est pas du tout votre milieu de connaissance de monter un vélo, n'hésitez pas à l'emmener à un professionnel. Alors oui, ça coûte un petit peu. Il me semble qu'un vélo 6 prend environ 80 à 100 € pour monter un vélo et l'assembler. Il y a quelques petites choses. Il n'y a pas grand chose. Hein. Là, il y a un garde-boue. Le guidon à fixer et cette partie en fait qui est une grosse potence surélevée, c'est un petit peu de boulot, il faut juste bien faire attention, mais en vrai c'est rien de très très compliqué. Bon alors, ce Engwe Engine Pro, c'est 1 369 € actuellement sur leur site internet. Il est un petit peu plus cher de base, une centaine d'euros, mais il y a des petites réductions toujours qui traînent un petit peu de temps en temps. J'avais essayé l'ancienne version, le P2 Pro que j'avais beaucoup aimé, qui était top, une très belle autonomie, et là, à ce qui paraît, c'est encore mieux. Donc, au niveau des caractéristiques de ce vélo, il est disponible déjà en 4 couleurs, il soit en noir, en bleu, en gris ou une sorte de vert ou qui oscille un petit peu entre le turquoise ou le corail, assez joli. Moi j'aime bien ça parce que c'est un petit peu plus discret. Déjà qu'on a un vélo qui se fait quand même remarquer parce qu'il a quand même de la gueule et de la prestance quoi. Au niveau des performances, on a un moteur 750 watts qui peut monter jusqu'à 1000 watts en pic, 55 Nm de couple sur la roue arrière, c'est largement assez puissant pour déplacer quasiment tout le monde, une batterie de 48 volts, une 16 ampères-heure. C'est une meilleure batterie puisqu'à l'époque, il me semble que c'était une 13-8 ou quelque chose comme ça, avec de nouvelles cellules. C'est annoncé pour une autonomie un petit peu plus. Alors, je vous prends les valeurs basses. 50 km en 100% électrique, c'est-à-dire qu'on peut juste accélérer avec ce vélo, un petit peu comme un scooter, ou 100 km en assistance. Je pense qu'on va pouvoir y arriver puisque déjà l'ancienne version, on avait fait déjà de très bons scores. Au niveau du poids, il fait 32,7 kg. C'est assez lourd, donc bon, pour quelqu'un comme moi, je vous avoue que à porter, à soulever un petit peu, ça va. Mais si vous avez 3-4 étages à monter, c'est pas forcément ultra pratique. Ensuite, il se plie. Regardez, une fois qu'il est plié, il est vraiment très compact. On peut plier à plusieurs endroits. On peut plier le guidon juste ici. Donc, on déverrouille. Et ensuite, on peut le plier de cette façon. On peut replier les pédales en tirant dessus, en les rabattant. Et on peut plier ici, pareil, en rabattant le cadre. On peut monter ou descendre la selle assez haute. On peut monter ou descendre le guidon. Ça également, c'est une très bonne chose. C'est pratique si vous êtes très grand. On a un gros porte-bagages ici. Moi, je fais 75 kg actuellement. Je peux m'asseoir dessus sans souci. Et même si vous trimballez quelqu'un derrière, alors on n'est pas trop censé faire ça. Vélo, très sympa. Technologique, on a l'allumage automatique des feux de nuit. Lorsque je cache ici, comment ça s'appelle, le compteur. Alors normalement, ça devrait arriver. Hop, vous voyez, ça allume les feux automatiquement. Donc dès qu'il fait nuit, il va allumer les feux automatiquement. On a deux freins à disque hydrauliques. 160 mm de diamètre avant-arrière, c'est largement suffisant. Et le fait que ce soit d'hydraulique, eh ben, c'est un vrai confort supplémentaire. Parce qu'au niveau du feeling et du toucher, c'est agréable. Et surtout, c'est plus puissant qu'un mécanique. À l'arrière, on a 8 vitesses. On peut rouler jusqu'à 40 km/h avec. Donc lorsqu'on met l'assistance plus on pédale tranquillement 40 km/h ou même en 100% électrique, il va mettre un petit peu de temps, mais avec la vitesse maximum, la vitesse 5, il peut aller jusqu'à 40 km/h, ce qui est bien pratique. En France, normalement,
les vélos sont censés être bridés à 25 km/h, on n'a pas le droit de dépasser cette vitesse théoriquement, et surtout légalement. Au niveau des jantes, on a deux jantes en 20 pouces, des pneus de 4 de large, c'est extrêmement large. Alors là, vous avez deux choix, soit vous pouvez bien les gonfler pour rouler un petit peu plus vite et que ce soit plus roulant, soit vous pouvez les laisser un petit peu dégonfler pour permettre d'amortir encore plus les chocs. Et on a tellement un gros débattement ici sur le pneu que ça permet d'avoir plus de confort. On peut rouler sur les chemins. Les fat bikes de base, c'est fait plus pour rouler à la plage ou sur la neige. Ça n'a pas forcément de gros intérêt en ville, surtout si on le gonfle dur parce qu'ils seront quand même assez fermes. Mais si on les dégonfle un petit peu, ça peut avoir cet avantage d'avoir un petit peu plus de confort. Ensuite, on a une très belle béquille de ce côté-là. Surtout, elle est assez épaisse, donc elle inspire vraiment confiance. Lorsque je monte dessus, hop, donc moi je l'ai réglé à ma taille, on peut le mettre beaucoup plus bas, ce qui permettra d'être plus chill. Et regardez, donc on a un amortissement à l'arrière et on a un amortissement à l'avant. Les pneus là, ils sont pas ultra gonflés, mais ça me permet d'avoir du confort supplémentaire. En plus de l'amortisseur ici, j'ai un amorti au niveau du pneu. Et ça, je vous avoue que au quotidien, en vrai, quand on va rouler sur les chemins ou autre, c'est hyper smooth. On a l'impression d'avoir un vélo plus haut de gamme, justement parce qu'on a ce confort là. Les suspensions, elles sont réglables un petit peu en dureté ici, et on peut bloquer la fourche. À l'arrière, par contre, on n'a aucun réglage. Donc si je vous l'emmène découvrir rapidement comme ça, point de vue de Nico, on a le garde-boue ici, la lampe, ses jantes en 20 pouces, les freins à disque hydraulique, un grand plateau à l'avant, 8 vitesses à l'arrière avec un Shimano Altus. Alors ce qui est très bien, c'est que c'est pas du haut de gamme le dérailleur, mais au moins c'est du solide et au cas où ça coûte pas cher à réparer. On a quand même la protection juste ici, ce porte-bagages, la lumière arrière, garde-boue également ici, la selle avec un amortissement de selle, plus l'amortisseur que l'on voit ici, cette très belle pièce en alu bien travaillée, la clé, parce que oui, la clé, on peut verrouiller la batterie. Donc là, je tourne à fond. La batterie n'est pas déverrouillée. Il y a un cran ici, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, on voit le cran qui apparaît avec le verrouillage de la batterie. Pour démarrer le vélo, on met la clé et on tourne comme un contact sur une voiture. Hauteur de selle réglable. Et ensuite, je vous présente ici directement, point de vue pilote, le compteur. Donc on démarre ce vélo avec la touche ici démarrée. Comme vous pouvez voir, l'écran s'allume et on a un écran magnifique LCD couleur. L'autonomie, donc la batterie, c'est pas vraiment l'autonomie, mais le pourcentage restant de la batterie. On a un régulateur de vitesse. Si on reste appuyé, j'ai pris 49,5 km/h en accélérant un petit peu. Les plusieurs modes qu'on a ici, donc si je fais plus 1, 2, 3, 4 et 5 pour la puissance ici, je peux les feux mettre des petits appels de phare si je fais ça en appuyant ici. Ensuite, je peux rebaisser la vitesse et j'ai mes infos avec la vitesse moyenne. La distance totale, le trip total, la puissance instantanée, combien de temps j'ai roulé ce vélo. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas encore vraiment essayé. Je vais vous emmener avec moi une fois qu'il sera chargé à fond. Et voilà, on retourne. Des poignées un petit peu typées cuir avec les coutures ici, l'accélérateur de cette façon, les freins à disque hydraulique ici. Donc comme on peut voir, top au toucher et puis enfin, même on voit au feeling, c'est hyper agréable. De ce côté-là, on a les vitesses. Hop, de là et la gâchette juste à l'arrière. Et voici le point de vue qu'on a lorsqu'on roule ce vélo. Bon allez, le vélo, c'est parti. Je vais aller le remettre à charger à 100%. Il fait pas très beau aujourd'hui, on est mi-novembre, fin novembre même. Je vais essayer de trouver une belle journée et vous emmener faire un tour. Alors je sais pas si je vais faire les 100 km d'un coup, mais ça donne envie d'aller se balader. Surtout quand on voit un beau petit port comme ça. Bon allez, c'est parti. Enfin une belle journée en plein cœur de l'hiver. Il fait pas chaud, hein. Il fait, je crois, 4 degrés. Je vous emmène en balade avec ce nouveau Engway, la version pro avec l'amortisseur, voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça a l'air très cool. La double suspension, les pneus, il fait beau, nouveau compteur. Je vous emmène découvrir les fonctionnalités, ce que ça donne en roulant, les vitesses qu'on peut atteindre et ce que ça donne, et puis je me fais une petite boucle. Allez, c'est parti, je vous mets sur la tête. Alors, pour allumer le vélo, comme je vous disais, on a la fonction ici, on a l'éclairage automatique de nuit, on a les vitesses de ce côté-là, à la main droite, frein arrière à droite, frein avant à gauche, les petites poignées en cuir. Moi, je mets des gants aujourd'hui parce qu'il fait bien froid. J'ai pris 49,5 km/h de vitesse maximum. On peut remettre les infos à zéro, donc on passe dans info ici, totale distance, on peut remettre... non, pas la totale distance, on peut remettre son trip à zéro. Ensuite, le power, ici, c'est pour vous indiquer la valeur qu'il utilise. Là, par exemple, vous avez vu, il est monté jusqu'à 500 et quelques watts en instantané. Ça peut monter plus lorsque ça va forcer. On commence en full électrique, sans que je pédale. Donc, le guidon ici également, je peux le régler, comme je vous avais dit. Je peux le mettre un petit peu plus haut si je souhaite, pour avoir vraiment
le guidon comme je le veux à la meilleure position. Donc vitesse 1 ici, sans pédaler, comme vous pouvez voir, ça démarre sans que j'ai besoin d'appuyer sur les pédales. Alors l'idéal, c'est quand même d'aider le vélo dans ces phases de démarrage, surtout si vous êtes en pente, pour faire forcer le moins possible le moteur. On a un régulateur qui s'active ici, on le voit, lorsque vous avez appuyé plus d'un certain nombre de secondes sur la gâchette, il me croit que c'est entre 5 et 7 secondes, vous allez avoir la petite touche, enfin le petit logo régulateur qui s'active. On le voit, régulateur, en première vitesse, c'est 9 km/h. Si je passe en deuxième vitesse, il ne va pas se mettre à accélérer parce que j'ai changé de vitesse, il faut que je réenclenche l'accélérateur pour aller me mettre au maximum de la vitesse 2. Donc là, on est à 15,5 km/h au régulateur, ou 16 environ. Lorsque je suis en vitesse 2, moi je pèse 75 kg sur le vélo. Après, ça peut dépendre également aussi un petit peu du poids que vous faites sur le vélo. On peut le voir là, c'est agréable. À cette vitesse-là, c'est vraiment de la balade tranquille, vous voulez chiller au bord du lac. C'est plutôt sympa. Je peux repartir, 100% électrique. Mode pas très sportif, mode vraiment balade. Il retourne, ensuite se mettre à 16 km/h environ. La petite touche régulateur, enfin la petite icône régulateur se réactive. Et voilà, on a 5 vitesses. Je vais aller me mettre dans la ligne droite un petit peu plus loin pour vous montrer les différentes vitesses. Je peux également pédaler. Donc là, je pédale de façon très très facile. Je peux passer mes vitesses et on voit que le vélo va vraiment m'assister. 15 km/h, c'est très sympa en balade. Au moins, ça vous fait faire un petit mouvement des jambes. Ici, agréable, sans forcer, mais vraiment sans forcer. Et vous faites le petit mouvement. Pour les personnes âgées ou les gens qui ont vraiment la flemme, ça peut être pratique. Allez, on passe en vitesse 3. Vitesse 3, je réaccélère juste à l'accélérateur. On passe là, on est un petit peu plus de 23 km/h. Regardez, là ça monte un petit peu, j'ai des gros pneus, c'est plutôt pas mal. On est à 23 km/h ensuite lorsqu'on est en vitesse 3. Clairement, ça va être à peu près la vitesse légale en France, puisqu'en France on est limité normalement à 25 km/h sur tous les engins à moteur électrique comme ça. Sinon, il faut mettre une plaque d'immatriculation dessus. Et effectivement, ce n'est pas homologué comme vélo pour avoir une plaque d'immatriculation. Après, c'est possible de le faire, mais on doit s'arrêter en France à 25 km/h. Ensuite, vitesse 4, on va aller un petit peu plus vite. On voit que ça accélère pas mal. En vitesse 4, on est allez, à 35 km/h. Là, ça commence à bien rouler, 35, 36 même, quasiment 37. Il reste encore une vitesse après. Comme on peut le voir, là, ça roule déjà vraiment bien. 37 km/h, c'est déjà bien rapide. En vélo, il faut les tenir. À moins que ce soit un vélo de route et encore un monsieur qui soit très motivé, 37 km/h, n'importe qui ne le tient pas. Et là, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, je n'ai toujours pas pédalé. Ça ralentit un petit peu parce que je suis passé dans l'herbe. Là, ça a monté, donc ça ralentit forcément un petit poil. Je suis sur du chemin depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt confort. Le fait d'avoir des gros pneus, c'est un avantage. Et là, je vais continuer ici. Et là, ça repasse à peu près à plat. Donc, je sens le vélo qui réaccélère un petit peu. Et ensuite, on a la cinquième vitesse. Donc, cinquième vitesse qui va aller encore plus vite. On voit que ça réaccélère. On va être quasiment autour des 40 km/h. Le fait d'avoir la double suspension là, c'est quand même un vrai plus, surtout pour ce genre de chemin où ça bouge pas mal. Donc là, c'est pas vraiment plat. Regardez, là, ça passe un peu partout, je reste assis. On est à 37, 38. Et ça roule bien, j'ai les yeux qui pleurent, surtout avec le froid. Mais en vrai, c'est carrément confortable. Là, ça me permet quand même de rouler très vite et je pourrais doubler quasiment n'importe quel cycliste. Et après, je peux quand même de moi-même réaccélérer en pédalant. Alors attention, quand vous êtes par exemple en cinquième rapport, lorsque vous avez pédalé, le vélo va se mettre à accélérer très vite. Donc il faut bien choisir le rapport qu'on souhaite. Sinon, on peut le faire vraiment en mode scooter, juste jouer avec la gâchette ici. Et par contre, pareil, n'oubliez pas, quand le régulateur s'active, de penser à freiner si vous voulez ralentir. Sinon, l'idéal, ça reste plutôt de jouer par exemple en troisième et d'appuyer, parce que c'est assez sensible, et surtout quand vous êtes sur du chemin comme ça, c'est
pas très facile à doser. Mais je pense que voilà, la bonne vitesse, c'est la troisième vitesse. Au niveau du freinage, on a du frein hydraulique, donc c'est très agréable. Donc là, ça réaccélère. À chaque fois que je touche un frein, ça coupe le moteur et en même temps, ça allume les lumières à l'arrière. Le freinage, là, je peux faire des dérapages sans problème. Et à l'avant, attention parce que ça peut bloquer assez vite. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'averti, ça peut faire bizarre. Donc, attention, mais en tout cas, ce qui est top, c'est que le freinage hydraulique, c'est très progressif. Ça va de très progressif à très puissant, donc c'est un vrai plus. Bon, allez, je vais me faire une petite balade, moi, et je vous dis combien de kilomètres j'aurais fait. Bon, les amis, moi, je suis un petit peu joueur, on va essayer de monter là-dessus. Eh, ça le fait, ensuite, même pour redescendre. Alors, comme on a des gros pneus, franchement, ça l'a fait tout seul. Et pourtant, c'était quand même quelque chose d'assez gros. Pour ça, j'adore ce genre de vélo. Avec les gros pneus, en fait, on peut vraiment y aller partout. On n'a pas besoin de se soucier de « Ah, attention, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je risque de crever ?» ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment, ça tient bien. Alors, même sur les graviers, on a plutôt un bon grip. Et puis, ça réaccélère franchement bien. Allez, là, on passe à du goudron. C'est vraiment de la route. Alors, l'idéal, c'est si vous faites que de la route comme ça, n'hésitez pas à gonfler un petit peu plus vos pneus. Ça permettra de rouler un petit peu plus vite. On aura un petit peu moins de confort, mais c'est surtout pour le chemin. Vous pouvez les dégonfler un petit peu. Moi, ce que je conseille, c'est 1,5 bar si vous faites du chemin, 2 bars si vous faites que de la route comme ça. Donc là, pareil, hein, toujours, c'est le vélo qui force. Moi, je ne pédale pas du tout. En fait, c'est plutôt un scooter avec un look de vélo ou avec lequel je peux faire en même temps un petit peu de sport. On freine, hop, et je repars juste en élec. Comme je vous disais, n'hésitez pas à l'aider, c'est toujours un petit plus pour la batterie et le moteur. Allez, on va essayer de se faire une petite vitesse max. Donc, je me mets le plus gros rapport sur les vitesses. Je suis en 5e. Et regardez, donc là, on est à 40. Je peux pédaler. Et là, moi, je peux l'aider à aller encore plus vite. Donc là, je suis à 46. Donc, c'est moi qui pédale, mais j'ai l'assistance qui m'aide vraiment pas mal. Ah, ça roule bien! Donc en ville, si vous donnez un petit peu, vous pouvez rouler à 46. Bon, il faut pédaler un petit peu, hein, parce qu'on a vu sinon c'était 40. Allez, on peut s'essayer une Vmax dans la descente. J'ai quand même une bonne assistance. Ouh ! Est-ce qu'on va dépasser les 50? 51 ? Allez, 51, c'est déjà pas mal. Ah ! Ouh ! Et juste en électrique, 50 aussi avec la descente, c'est vraiment pas mal, hein. Ça bombarde. Là, je vous conseille quand même un casque et des protections à cette vitesse. J'ai froid. Bon, il me reste 69% de la batterie. Ce qui est top, c'est que c'est affiché vraiment en pourcentage, juste ici. Et j'ai fait 20 km avec en gros 30%. Il vient de repasser à 70%. Il fait froid, il fait très froid. Je fais beaucoup de choses pour vous. Hein. Donc, en gros, 20 km, 30%. Il reste 70%. Si on fait le calcul, donc on fait 20 x 3, ça fait 60. Et ça, je suis en 100% électrique et je suis en mode 5, sans pédaler depuis tout à l'heure. Donc 20 km et j'ai fait des montées, des descentes, des petits singles dans la forêt. Je ne vous ai pas filmé parce que j'ai le bonnet et tout, il fait super froid, je ne sens plus le bout de mes doigts. Vraiment top, en tout cas niveau batterie, c'est assez hallucinant. Allez, je continue un petit peu, je vais aller jusqu'à 50% à peu près et on se fera un petit débrief. J'en suis arrivé à 30 km et 30 km ça a consommé 51% de batterie. Vraiment, vraiment pas mal parce que la dernière fois sur le EP2 Pro, on avait fait 30 km en 100% électrique. Et là,
je suis resté en vitesse maximum tout le long, donc sur le rapport numéro 5, c'est-à-dire 40 km/h quasiment sur le plat, donc ça aussi entre 30 et 40 km/h, tout le long, je suis gelé, vraiment hyper, hyper intéressant, comment ils ont retravaillé la batterie sur ce nouveau modèle, c'est assez hallucinant. Les performances sont nettement supérieures à l'ancien modèle et surtout l'autonomie est beaucoup mieux. Donc à mon avis, ils ont retravaillé la batterie, ils ont retravaillé également le système pour transmettre l'énergie. Et en vrai, bah, 30 km pour 50%, c'est extraordinaire en fait, sans pédaler et surtout en allant à fond tout le temps. Et en plus, j'ai fait de la forêt avec des bosses et autres. Franchement, bien, bien, bien. Donc j'imagine que les 100 km en assistance où vous l'aidez à pédaler, vous allez y arriver franchement sans problème. Donc on dira en gros, parce que souvent vers la fin, on ne va pas jusqu'au bout de la batterie, je pense qu'on peut dire facilement 50 km en 100% électrique pour quelqu'un de 75 kg comme moi. C'est vraiment très très bien. Donc au final, le débrief sur ce vélo comparé à l'EPEDO Pro, alors gros plus, beaucoup plus confortable avec la suspension avant et arrière, donc celle-ci c'était un vrai plus. Sur les chemins, c'était beaucoup plus agréable, l'autonomie a rien à dire, vraiment un gros step en avant. Le guidon est tout réglable, bon bah ça on en retrouve sur plusieurs de la gamme. La selle plus confortable, celle-ci que celui que j'avais essayé la dernière fois. Le compteur magnifique, les informations, en vrai un vrai step au-dessus. Et pour le prix, je pense que c'est imbattable niveau rapport qualité-prix, parce qu'il est top et frein à disque hydraulique quoi. L'idéal. En vrai, je crois que j'ai vraiment envie de le garder celui-ci, hein.